le pass vaccinal, il y a eu un regain de la mobilisation des antipass, des antivax hier. Est-ce que vous y voyez un lien de cause à effet avec la fameuse emmerde du président de la République que vous aviez traité de pyromane? C'est-à-dire, je suis absolument même convaincu que c'était le but en réalité d'Emmanuel Macron. Le but d'Emmanuel Macron, c'était précisément d'exciter une position à lui, parce qu'il pense que on ne peut gagner ou régner qu'en divisant. C'est en quoi il joue encore une fois avec le feu, parce que je pense que l'unité du pays, c'est notre bien le plus précieux, et venir en toutes circonstances chercher à créer des fractures, y compris en annonçant qu'il souhaite persécuter une partie des Français qui, je le rappelle, respectent la loi, c'est vraiment, je crois, pour le coup, un comportement irresponsable.